Good morning, allez, dans les tissus aujourd'hui, le Nishmat Machlouf, Micha ben Masouda, Nachman Youssef ben Nachum, Avram Khalilov ben Fortune Mazal Dov, ben Yudit et Nissan ben Mafret. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maser Tamid, Périgimel, Mishnah Zain. Ba lo le pishpesh atzfoni, ou shne pishpashin hayulo le shahar agadol, echad batzafon ve echad badarom. Shabadarom, lo nichnas bo adam meolam, ve alav ou meforash ale de cheskel, ve yomer alay Hashem. השער הזה סגור יהיה, לא ייפתח, ואיש לא יבוא בו, כי השם אלוקי ישראל בעבו, והיה סגור. נטל את המפתח ופתח את הפשפש, נכנס לתא, ומנתא אל ההיכל, עד שהוא מגיע לשער הגדול. הגיע לשער הגדול, העביר את הנגר ואת הפותחות ופתחו. לא היה שוחט השוחט עד ששומע כל שער הגדול שנפתח. Depuis le début du perek, Gimel. On parle concrètement comment est-ce qu'on va porter le Korban Tamid. On a tiré au sort qui allait apporter le Korban Tamid. On a vérifié qu'il faisait jour. On est parti chercher un mouton de la Lishkat Hatlaim. On l'a revérifié. On a sorti les ustensiles maintenant nécessaires pour commencer à travailler. On a même celui qui avait gagné au sort le droit de faire la Shrita du Korban Tamid et d'asperger son sang. Il commençait à partir vers les Tabaot. Pendant ce temps, on avait appris dans la Mishnah précédente que on allait commencer aussi à préparer le Mizbeach HaZahav et la Menorah, à vider les cendres qui étaient restées là-bas. Et donc, on a, dans la Mishnah précédente, on a expliqué comment est-ce qu'il devait, les ustensiles qu'il devait prendre en main pour aller travailler. On a évoqué aussi l'histoire des deux clés, si vous vous rappelez. Une qu'il faut ouvrir en faisant rentrer la main dans une petite porte. Et l'autre, ensuite, on ouvre une porte directement. En fait, tout ça s'expliquait surtout dans notre Mishnah. Et la Mishnah nous raconte. Balo le pishpesh atzfoni. Il arrive dans le pishpesh atzfoni. Pishpesh, c'est une petite porte. C'est-à-dire, on essaye d'illustrer un petit peu. Je rentre dans le Echal. Pour le moment, je vois des portes fermées. Mais je ne peux pas entrer au Echal. Il n'y a aucune porte, aucune clé dans le Echal. Mais il y a quoi? Il y a des pishpeshim. Deux petits couloirs. Un couloir. Quatre petits couloirs, en fait. 2 fois 2. Regardez, il y a tout autour du Echal, je vous explique, tout ça, c'est des cabines. C'est des léchachotes. C'était des sortes de kajibi où il y avait des escaliers, ça montait, c'était sur 3 étages, ça pouvait s'amonter, on pouvait passer d'une porte à l'autre. On stockait toutes sortes de choses que l'on stockait. C'était tout ça dans la grosse épaisseur du mur, en fait. On aura l'occasion de les découvrir tous. Vous voyez le 6, ça veut dire qu'il y avait 6 amas rochav. Il y avait 6 amas rochav, ça veut l'équivalent de peut-être 3 mètres, un petit peu moins. De large, 5, et voilà. Donc il y avait un premier tas. Un tas, ça s'appelle des taïms. Des taïms, un tas c'est une case en hébreu moderne. Et un tas, c'est aussi une cellule aussi, c'est la même chose. Ça peut être traduit d'ailleurs une cellule dans le même sens du terme. Donc, et des petits kajibis comme ça, des petites... Maintenant, lorsque, donc on a dit, je monte les escaliers, je rentre dans le houlam, et puis... Dans le land, pour le moment, j'ai une porte fermée et aucun moyen de l'ouvrir. Mais il y a quoi? Il y a sur le côté deux pish-pesh. On va pour le moment parler de celui qui était au nord. Et on... donc c'est une sorte de petit couloir où on ouvre une première porte, on rentre dedans. Et puis après, on tourne à gauche et on rentre dans une petite, encore une fois, dans un nouveau couloir. Et après, on se retrouve à l'intérieur du Echal depuis l'intérieur. Il fallait ouvrir les portes depuis l'intérieur. Vous avez compris le principe? Eh bien. La Mishnah m'enseigne, sache qu'il y avait Shne Pishpeshin Ayulo le Shahar Agadol. Le Shahar Agadol, le grand portail du Echal, il avait aussi deux Pishpeshin, deux petites portes sur le côté. Une à droite qui était donc sur le côté nord, Tsafon, et une à gauche qui était sur le côté sud. Echad Bat Tsafon, ve Echad Bat Darom, un qui était au nord, un qui était au sud. La Mishnah m'enseigne, sache que Sheba Darom, celui qui était au sud, L'onichnas boadam meolam. Jamais personne n'est entré par lui. On n'a jamais ouvert la porte pour entrer ensuite ici. Pourquoi? Sur cette porte, alors c'est explicite dans le livre de Yecheskel. Yecheskel, c'était un navi qui était en Babylone. Et il a reçu là-bas une prophétie d'Hachem qui lui décrit longuement les plans exacts du Beth Amikdash qui allait être construit. C'était pour donner de l'espoir aux juifs qui étaient exilés. Leur annoncer que tout allait être construit, que ça allait être construit le Beth Amikdash, et donc du coup il lui a donné les mesures exactes du Beth Amikdash. Et là-bas il y a marqué Voyomer Elai, et Hachem me dit, Voyomer Elai Hachem, et Hachem me dit à moi Yecheskel,
Asharazé, cette porte-là, Sagour loipater. Il sera fermé et il ne sera jamais ouvert. Veish lo yavovo. Jamais un homme ne viendra par lui. Qui Hachem Elokei Israël ba vo daya sagour. Car c'est par là qu'Hachem, le Dieu d'Israël, vient par lui et il devra rester fermé. D'accord? Le passage nous dit en réalité que il fallait laisser une porte fermée pour illustrer le fait que Hachem réside dans le Betamigdash et n'a pas besoin qu'on ouvre une porte pour même entrer dans le Betamigdash. Comme ça rapporté, c'est expliqué dans le Tivret d'Israël. Donc, toujours les Kohanim passaient par ce pichpèche. Maintenant, ce pichpèche, c'est-à-dire ce petit portillon. Et pour ouvrir ce portillon, il fallait Natal et Tamaftar, il prenait la clé au Patachata Pichpèche. Il prenait la clé et il ouvrait le Pichpèche. Le Pichpèche, il l'ouvrait avec les deux, enfin, les deux clés en réalité, comme ce qu'on a expliqué dans la Mishnah précédente. Il y avait une première porte où il fallait entrer sa main dans le mur et aller jusqu'au fond pour de l'intérieur faire entrer la clé et ouvrir la porte. Et le deuxième, et ensuite, on entrait une deuxième porte ici pendant qu'on entrait dans le Pichpèche. Et là, cette fois-ci, on pouvait ouvrir directement. Ok, la Mishnah n'a pas fait les détails cette fois-ci. Donc, Natal et Tamafter, il a pris la clé. En réalité, il y avait donc deux clés. Patach et Pichpèche. Et il a ouvert le Pichpèche, le portillon, qui était double. Nirnas Lata. Il arrivait maintenant au Ta. Dans la première petite cellule, cabine, qui est là. Eh bien, au Minata et la Echal. Du Ta, il est rentré sur le Echal. Cette fois-ci, il n'y avait plus de porte avec verrou. Il y avait quand même sûrement des portes, j'imagine. Et il devait ensuite entrer par le tas, entrer dans l'enceinte du Echal, pour le moment, qui était fermé, donc extérieurement. Ad Shehu Magia le Shar Agadol. Jusqu'à. Donc il marche maintenant dans le Echal, jusqu'à qu'il arrive au Shar Agadol, au grand portail, celui-ci qui était fermé. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Igia le Shar Agadol, il arrive maintenant. Dès qu'il arrive devant le Shar Agadol, devant le grand portail, la grande porte, Hevir et Taneger, il fallait tout d'abord retirer le néguer. Alors le néguer, je sais pas comment ça se traduit. Il y avait comme ça dans les. À l'époque, on fermait fréquemment les portes. C'était des grosses portes lourdes en bois. Et que pour consolider la fermeture, on prenait des grandes poutres ou comment dire, des grands pieux en fer. Et on les fixait sur la porte comme ça. Et ça bloquait bien contre tout le. Ça attrapait bien la porte contre le mur. Et qu'on pouvait plus l'ouvrir de l'extérieur parce qu'il y avait une pression appliquée dessus. Eh bien, c'est le même principe, c'est ça le Neger. Je crois que le Tiferet Israël traduit que le Neger, c'est pas ça, mais c'est plutôt le barrière, c'est plutôt le gond. Encore, quoi qu'il arrive, il faut tout ouvrir. Dans les ports de l'époque, en fait, il y avait plein de toutes choses à retirer. Donc, le Neger, va potachot, les potachot, il explique. Il est tout en yiddish. Un, c'est le rigel, et l'autre, c'est le schlass. Si ça peut vous aider, moi, ça m'aide pas. En tout cas, le potachot, le bartanoir, il n'a pas expliqué. Aman Oulim, la Misgaroth. Il y avait toutes sortes de cadenas et toutes sortes de poutres qui bloquaient bien la porte fermée. Il fallait toutes les enlever et donc l'ouvrir depuis l'intérieur. Igia le char agadol et vir et taneger vata potachot. Il devrait retirer donc le gond et le pieu et ce que vous voulez, les cadenas. Optacho. Et enfin, il ouvrait le echal. Alors là, la Mishnah continue en me disant Lohaya shochet à shochet. Il ne débutait. Le shochet qui était dehors, qui attendait, qui était désigné pour faire la shrita du Korban Tamid, il ne commençait sa shrita ad sheshomea kol shahar agadol shiniftar, jusqu'à qu'il entende la grande porte qui commençait à être ouverte. Et dès que c'était ouverte, alors il pouvait enfin commencer à faire la shrita. Pour quelle raison? Il y a un passouk qui nous dit, on parle d'un korban shlamim, mais en fait c'est déduit pour tous les korbanot, el petach oel moed lo evio, qu'il faut apporter le korban au petach oel moed. Depuis l'ouverture de la porte du Ohel Moed, du Echal. Donc, tu insistes sur le fait qu'il faut que le Echal soit ouvert quand je fais un Korban. De ce fait, ne commencez pas la Shrita du Korban Tamid tant qu'il n'entendait pas qu'il avait concrètement commencé à ouvrir les portes du Echal. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.